bien, bonjour tout le monde, c'est Météor, on se retrouve pour l'épisode 4 de ce Let's Play d'Age of Empires 3 et nous commencerons tout de suite, bah, en même temps, comme toujours, par une cinématique, c'est parti. Morgane rattrape Sain dans la jungle d'Amérique centrale, mais les Ottomans seraient-ils trop forts? Mais non, voyons, absolument pas. Le nouveau monde. Qui eût cru que je foulerais un jour le sol des Amériques meurtries? Ne nous séparons pas. Nous ignorons quels prédateurs rôdent dans cette jungle. Animaux ou humains. Le fort ottoman. Il a fallu que ce chevalier me suive jusqu'au Nouveau Monde. Il ne comprend rien. Nous ne cherchons pas le lac de la Lune. Nous voulons juste en éloigner le cercle. Sain nous a battus, mais nous nous soucierons de lui plus tard. Implantons notre colonie. C'est parti donc, comme toujours, petite colonie. Normalement, cette fois-ci, Malte devrait pouvoir nous envoyer de la marchandise, me semble bien. Alors les colons, on va tout de suite vous envoyer au bois. Nous avons repéré les activités de pêche turque. Ah. La destruction de leur port de pêche pourrait les affamer. Bien, prévenez Malte. Commençons à expédier du ravitaillement et des renforts pour développer la colonie. Voilà, là on peut enfin... voilà. Excellent travail, maintenant que vous avez accès à votre métropole, vous envoyez des cartes, il s'agit d'unités d'amélioration de ressources dans le nouveau monde. Lorsque vous recevez un chargement, vous pouvez rendre visite à la métropole, choisir les cartes disponibles. Sous pouvoir envoyer une carte, vous devez vous retrouver à l'âge. Tout simplement. Alors on va commander de la bouffe pour le moment, puis on commandera ce qu'il faut tout à l'heure. On va en envoyer deux là-bas, trois ici, et on va construire un moulin, tout simplement. Ah merde, on ne peut pas, pour le moment, on va prendre du bois vite fait. Puis ben, on va défoncer le port des Turcs, hein, tout simplement. Les Ottomans. Ottomans équivalent turc, évidemment, c'est la même chose, encore une fois. Donc ça va être important parce qu'on va devoir améliorer cette fois-ci, ça c'est clair et net, on devra améliorer. Allions-nous aux indigènes de la région. Alors pour le moment on n'a pas vraiment de quoi s'allier. Ah quoi que si, on a quand même de quoi s'allier, attends. Ah oui mais merde, en fait j'ai dit que je le gardais pour le moulin en fait. Ah bah non c'est bon en fait, ah non c'est pas le moulin ça. Non, je sais pas si... Très malin, c'est magnifique. Pas, on va quand même construire ce comptoir, puis on va s'allier aux indigènes. Pour combattre les Turcs qui sont un peu plus haut par ici, vous allez voir tout à l'heure. Il y a sûrement d'autres indigènes. Oui, il y en a d'autres, mais le plus important étant quand même le moulin pour avoir de la bouffe. C'est pas forcément très utile pour le même moment. On voit bien qu'il y en a là, mais ils vont pas nous dévoiler les Turcs de toute façon, je pense pas en tout cas. On va un petit peu explorer les côtes là-bas. Je sais qu'ils ont un truc les Turcs hein, par ici, il me semble qu'ils ont aussi un village, donc on va faire gaffe par contre. Ouais voilà, il y a un village turc ici, vous voyez, il y a un avant-poste. On n'a pas tellement assez de troupes, on va peut-être pas se le permettre parce que si on se fait attaquer, on est un peu dans la merde quand même. Alors évitons pour le moment. Donc là on reçoit plein de bouffe, ça c'est très très bien parce qu'on va pouvoir lancer notre première évolution. On va pouvoir passer en âge supérieur, donc en âge colonial, vu que là on est en âge des découvertes. Je crois bien que c'est ça le nom. Oui, c'est l'âge colonial, c'est bien ça. Après, c'est l'âge des forteresses, l'âge industriel et l'âge impérial, si je ne dis pas de bêtises. Ou post-impérial ou un truc dans le genre. Je ne sais plus, je crois bien que c'est l'âge impérial. Je crois bien en tout cas. Voilà, donc là, on commandera des unités, ensuite on aura un canon, ça c'est un Fukuno, donc ça peut être pas mal ça. Vous verrez la forteresse tout à l'heure, enfin... Forteresse, c'est quand même une grosse forteresse, on va dire, chez les Ottomans, on va pas dire que c'est un fort.
pour moi, ça reste une forteresse, très honnêtement. Pour moi, c'est comme une forteresse. Yes. Pour le moment, on va quand même, on va tout simplement récolter, puis on va se préparer doucement au combat. Ah, des janissaires. En pire, on va pas les chercher s'ils viennent pas nous emmerder. Parce que on peut peut-être pas tellement se le permettre, vous voyez. Hop. On recrute toujours un peu de villageois, ça peut toujours servir. Donc là, c'est évolué, vous voyez. Du coup, vu que la ville d'attente fait l'âge colonial, nous ne pouvons pas recruter les colons, mais ça, on va pouvoir le faire, vous inquiétez pas. Hop, voilà, on va en recruter 4, lui on va l'envoyer à la bouffe, je pense. Ça sera déjà pas mal, à mon avis. Hop. Donc là, ça c'est bon. Nous en avons 3 là, 4 là, 4, 3 là, hein. Il y en a 4 qui se recrutent, on va même en faire 5 dès que la bouffe passera à 100. Pour le temps, évidemment. Ensuite, on fera une caserne, on va commencer à faire des troupes, on va se mettre là et on fera sûrement un mur, je pense. On va faire comme ça. On fera un mur comme ça, on a le temps de se préparer. Alors là, on n'a toujours pas assez de troupes, hélas. Par contre, ce qu'on peut faire d'intelligence, c'est peut-être prendre le contrôle de ce truc. Ça serait en effet intelligent, si vous voulez mon avis. On va reprendre le bois, et puis on va pouvoir construire la caserne. Donc là, ça va être bien. On va recruter les arbalestriers qu'on va mettre là-bas, qu'on va mettre ouais sur la plage et là pour pas s'embêter. Allons chasser Saïn et les Turcs. Trouver et détruire le poste de commandement de centre-ville ottoman et le centre-ville ottoman. Oui oui. Yes. La caserne, on va la faire par ici, comme ça on sera vite dans le combat si besoin est. Donc on le fait par ici du coup. Hop, on va mener l'armée par ici. On va se préparer à attaquer ce truc-là. Il va me falloir aussi des baraques, je pense. Ce serait bien pratique. Hop, quelqu'un de plus au bois. Non, toi, tu vas là. Hop, les arbalestriers, vous allez avec l'armée. Là, on va faire des baraques. Eux, vous venez là. Cette colonne va nous construire des baraques aussi, ça serait bien pratique. La caserne, pour le moment, on pourra pas recruter grand chose, je pense. Bah toi, mon gars, tu vas aller à la bouffe, tout simplement. Ça recrute encore, ça en recrute encore deux. On va en mettre un au bois, puis un aux pièces, je pense. Déjà, là, on peut aller se tenter le truc. J'espère qu'ils ont pas trop de troupes non plus. Ce serait un peu dommage de se faire défoncer la gueule. Hop, une baraque. Bonjour. Non, ils ont pas de troupes, c'est bien, ça nous arrange. On va démolir leur avant-poste et on va pouvoir reprendre le contrôle de ce village. Hop, on va reconstruire pas mal de maisons parce qu'on va en avoir besoin de toute façon. C'est clair et net, par contre je crois qu'ils ont amené des troupes, non? Non, ils ont absolument pas amené des troupes. On va démolir le comptoir puis on va en construire un à nous. Dès qu'on aura le bois. Parce que pour le moment on n'a pas assez de bois. Donc ici un là-bas et un aux pièces. Un aux mines plutôt. Ça se ramène, ça se ramène. Faites gaffe, faites gaffe. Donc là je pense que c'est un village aztèque. Hein. Vu qu'ils ont des... c'était des jaguars ou des aigles, je sais plus. Ça doit être un village aztèque. Serviel, au moins, ils vont se faire défoncer. On va juste attendre d'avoir le bois. Hop, voilà, c'est parfait. Nous avons officiellement pris le contrôle des 3 villages. Voilà. Tout simplement... c'est pas refait. Voilà, je vous reprends. Nous sommes en compagnie de Demon Slash. Salut. Je crois pas que tu étais au début de cet épisode là, donc bah voilà, tu es avec moi maintenant.
c'est magnifique que donc nous reprenons Age of Empires 3. Oui. Alors ça fait un petit moment que je sais pas tourné mon côté, en fait j'avais fait la sauvegarde parce que je peux sauvegarder entre les scénarios. Du coup on va reprendre, on est toujours on doit toujours défoncer le fort ottoman qui est par ici, donc oui il est en noir. Il doit être par ici, alors il y a des connards d'Aztec qui nous font chier là. On va peut-être aller leur casser la gueule d'ailleurs. C'est chaud. Normalement il faudrait par ici, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer des colons, on va faire des murs, on va refaire des tours et on les attaquera des murs avec des canons si possible. Comme ça on les défonce et ensuite on entre en masse avec l'armée parce que sinon je pense qu'on va se faire défoncer la gueule. Par contre le son, j'ai l'impression qu'il est fort, non? Non, pourtant j'ai pas de chauffon. Non, c'est peut-être de mon côté que c'est fort, je sais pas. En même temps, si je veux bien entendre des messages, il faut que j'aille le son quand même. Non, non, de toute façon ça ira je pense. Parce que j'ai pas touché depuis la dernière fois, donc c'est bon. Du coup niveau colon, nous sommes bons, niveau bois ça coupe. On va s'avancer un peu, on va essayer de voir un peu si on peut pas les faire chier. Bon, de toute façon, on pourra pas attaquer tout de suite parce que je crois qu'il y a des tours de fort. Donc déjà, c'est une très mauvaise idée d'attaquer. Il va falloir qu'on fasse des troupes. Ouais, voilà, ils sont là. On va me péter la gueule, par contre, lui, alors des erreurs, là. Vous voyez que les tours de merde, là, vont me faire très très mal. On va aller péter la gueule aux autres qui se baladent chez nous, là. Puis on va envoyer un colon, je pense. Bonjour, on va les croiser, là. YOLO. Alors après c'est pas encore prévu mais j'ai peut-être trouvé le jeu qui va remplacer Age of Empires. Alors attention, oui, genre, j'ai eu un message team, je ne sais pas de qui il est. C'est de toi Cédric? Non, moi aussi j'en ai eu un mais je sais pas c'est qui. Ça doit être ton cousin ça. Non. Ça doit être son cousin qui nous emmène, voilà, c'est magnifique. Non, je ne nous emmerde pas, mais voilà. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire en fait avec cette play là. Alors, c'est à des messages qu'il faudra demander. Est-ce qu'on lance la campagne coop qu'on avait prévue depuis un bon moment? De quoi? La campagne coop qu'on avait lancée, est-ce que ça serait une bonne idée de la lancer après cette... dès que j'aurai fini Age of Empires, est-ce que ça pourrait être envisageable pour toi? La campagne coop... sur Rome. Oui, oui, la campagne... Oui, bah, du coup... Ah oui, de mettre après... après Age of Empires. Age of Empires, c'est ça? Est-ce que ça pourrait être... Bah, ouais. Parce que, bon, ça pourrait être une idée, hein. Ça pourrait être une idée. Ouais, mais déjà, combien il fait des... à peu près combien d'épisodes il fera Age of Empires? Alors... Age of Empires en lui-même fera 24 épisodes. D'accord. Alors, donc, je compte vous faire l'intégrale, ouais, mais pour le moment, je vais faire que Age of Empires, le normal, mais je compte vous faire l'intégrale, je compte vous le faire, c'est sûr, parce que dans l'intégrale, il y a aussi Asian Dynasty et War Chief, donc je pense vous le faire, mais pas tout de suite, hein. on fera pas tout le let's play d'un coup, sinon vous allez avoir une soixantaine d'épisodes, je pense qu'on le fera en plusieurs fois. Hein. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a les autres, il y a 8 campagnes en tout dans le jeu. Parce que j'ai les extensions, parce que j'ai la version intégrale. Que d'ailleurs, j'ai pas payé cher à l'époque quand je l'ai acheté. Je crois que je l'avais payé 10€ pour 3 jeux, donc c'est ce qui est quand même pas mal. Ouais. Non, mais j'ai toujours du bol, moi, laisse tomber. Voilà. J'ai toujours du bol, je trouve toujours des bonnes affaires. Donc. Ouais. Yes. 24 épisodes, ça fait. T'en as au combien tième là? Là, je suis au 4ème épisode. Donc, encore un bon moment. Tu les mets à peu près tous les combien de temps? Bah, comme Zelda Ocarina of Time va être fini, qu'il y a un petit temps de latence entre Zelda Ocarina of Time et... Enfin, c'est pas fini bien évidemment, mais ça va être fini. Ça va être fini. Comme il y a un petit temps de latence entre Ocarina of Time et Twilight Princess, bah, ça peut être diffusé assez rapidement. Il y a aussi Forgotten Land qui va tourner. Il y a aussi Portal 2, mais ça, je pense que ça va être dans un rythme, enfin Portal le coop bien évidemment, je pense que ça va être dans un rythme un peu plus soutenu je pense, parce qu'on n'a même pas tourné le 3ème épisode de notre côté. Donc ça pourrait être une idée de lancer, ou alors après Portal 2 et après Age of Empires. Oui, je ferai un let's play entre Age of Empires et Rome, faut voir après. C'est très vague ce qu'on dit, on sait pas encore ce qu'on va faire, nous sommes d'accord.
On va y réfléchir. Ouais. On va y réfléchir parce que bon, on a trouvé quelques maps Minecraft très sympathiques ces temps-ci, donc ça pourrait être une bonne idée de s'y attaquer aussi. Même si c'est, enfin pour moi. Ouais, t'es pas mal. Donc ça pourrait être une idée, mais bon après Minecraft n'est pas la base d'une chaîne, on verra, mais enfin moi non en tout cas. Yes. Moi non plus. Puis on a quand même des des grosses séries Minecraft de prévues, notamment je parle de Mineboss. Il y a trop mousse que faire, mais on en reparlera, on va rien dire pour le moment, mais on en reparlera. Les mêmes sachent et moi savons déjà. Nous en reparlerons. Oh putain. Allez vas-y, tirez-moi dessus, je vous dirai rien de PD. Ah bah vas-y, attaquez une femme sans défense, mais je vous dis les gars. Allez-y, attaquez des colons sans défense, en plus une femme, non mais ils ont pas honte. Le salaud. Bon, on va aller leur casser la gueule. Ils veulent pas me laisser construire mon mur tranquille. Alors ils ont des canons à vue et des janissaires. Évidemment je me fais un peu sniper par leur tour de merde là. Allez-y, je vous dirai rien, surtout. Surtout vous gênez pas pour moi. Ah, clairement falloir vite fait le mur. On va vite fait finir ce mur. Ensuite on va faire des casernes et des tours. Comme ça on va les sniper ici. Allez-y, revenez. C'est gratuit. Ils vont passer à mon avis. Il va passer autrement. Non, il va passer, ça va. Vas-y à colon, occupe-toi-en. Donc le bois on en a pas suffisamment pour le moment. On va peut-être refaire quelques colons. On va en refaire 6 je pense, vu qu'on a pas mal de bouffe. On va recruter des arbalestriers. Pour le moment en tout cas. Ouais. Par contre. Ouais, on peut pas recruter beaucoup parce que j'ai besoin de bois pour les tours. C'est problématique. Alors par contre, pour la construire derrière avec ça qui va me sniper, ça va être chiant. On va essayer quand même. Sauf si elle ne me vise pas, ce qui serait pas mal. Ça ne me vise pas, c'est magnifique. C'est bon, je vais recevoir un truc donc on va appeler de la bouffe pour le moment. En tout cas, surveillez bien les annonces de nos chaînes, c'est très important pour la suite de nos aventures tout simplement. Parce qu'on a pas mal de projets quand même. Hein. Faut le dire. Enfin, pas mal de projets. On n'a pas tant que ça, mais bon, on a quand même des idées de bonnes séries quoi. Ce qu'on attend pour tourner, et en fait là on attend surtout le feu vert de Monsieur Demon Slash, c'est Mineboss 2, parce que moi j'ai envie de... Ah Mineboss 2, moi... Moi j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de me rattaquer donc, à des mods, donc... Si moi j'attends sur feu vert, après on a le serveur, il suffit d'installer les mods. Normalement tout fonctionne, je crois d'ailleurs que je les ai envoyés, mais moi normalement tout fonctionnait, faudra qu'on surveille. Moi de mon côté... De mon côté tout fonctionne, j'ai tous les modes, tout fonctionne tout bien. Ok. J'avais déjà testé en mode solo, ça fonctionne très bien. Je crois que j'avais testé aussi parce que... Il faudrait que je reteste avec le launcher officiel. Parce que j'ai deux launchers officiels en fait. Donc un que j'utilise pour les modes et un que j'utilise pour le vanilla en fait, parce que le deuxième launcher c'est le même que les Demon Slash, mais... le même que Demon Slash qui marche que en 1.7.10 et qui marche qu'en 1.7.10 quoi. Voilà, c'est officiel. Et l'autre fonctionne très bien dans toutes les versions, mais après si je veux faire des séries avec lui. C'est d'ailleurs pour ça que dans Forgotten Island il ne pourra pas venir parce que la 1.7.4 ne marche plus, donc je pourrais pas l'inviter pour l'épisode final. Et le gros problème de cette version 1.7.10 du coup, c'est que je n'ai pas le mode Battle Gear. Avec la version post-modis puisqu'il ne marche pas et ça me gênerait un petit peu, voyez, parce que bon c'est quand même un mode assez classe et puis on va peut-être pas changer un mode pour un dernier épisode, donc ça m'enchante pas plus que ça m'enchante pas de pas l'inviter parce que voilà, mais bon là j'ai vraiment pas le choix, ouais, c'est pas grave, hein. J'ai pas le choix. Bon, j'aurais bien aimé t'inviter quand même pour l'épisode final, du coup je le ferai qu'avec les conventions parce que lui n'a pas de problème non plus. Ouais. Alors lui c'est quand l'épisode final? Bientôt, parce que faut savoir qu'il est commencé à un launcher qui marche dans toutes les versions alors que nous on a que des problèmes et pourtant il est même que nous. Hein. Alors on va vous comprendre. Alors je ne sais pas de quoi ça vient. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'on nous on a un Java différent. Pas forcément. Ça peut, je sais en pas, cas, ça, peut aussi... c'est un Java ça peut aussi devenir. Enfin en même temps je suis PC par exemple non plus, mais.
Donc il y a peut-être un truc qui fait qu'il arrive mieux. Ouais, il a un peu vieux son PC. Je pense que ça vient de la de carte graphique aussi. C'est possible, hein. J'en ai aucune idée, mais je pense que ça peut venir des cartes graphiques, les bugs aussi. Parce que... Pourquoi? Bah à cause de Java et des cartes graphiques notamment. Après c'est trop puissant. Non, c'est pas ça, mais enfin je sais pas, il y a peut-être des incompatibilités. Hein. Après j'y connais rien, je dis peut-être des énormes conneries, je l'assume complètement, mais je sais pas quoi c'est. Donc comme ça c'est clair. Je pense que ça vient de Java. Oui, c'est fort possible hein, parce que Java c'est chiant. À cause donc... de la 1.7.2 et la 1.6.4 pour moi elle ne marche pas à cause de Java. Parce que j'ai pas, en fait j'ai fait un... j'ai modifié Java, je sais pas trop comment j'ai fait. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, j'ai voulu remettre le 7, mais en fait ça a pas mis le 7, ça en a mis un autre. Du coup ça fait un gros bordel monstre dans Java, et ça a mélangé les deux versions entre la 8 et la 7, enfin, c'est un gros bordel. Et du coup, en fait j'arrive plus mettre les modes pour la 1.7.2 et la 4. Moi je sais pas, les autres modes marchent très bien. Je sais pas pourquoi c'est bien. 1.6.2 marche pourtant. Non donc, mais moi, ça vient c'est de temps, Java ouais. C'est de la merde. Voilà. Je tiens à le dire, pour Minecraft, je dis pas que c'est un programme. Oui, je dis pas que c'est un programme de merde, mais pour Minecraft, il pourrait quand même se bouger le cul et faire un launcher correct quoi. Enfin le attention. Les launchers maintenant ne tournent plus avec Java, mais le jeu tourne toujours avec Java. Mais non, mais normalement les launchers ne tournent plus avec Java. Normalement. Je dis peut-être des conneries, je n'y connais rien, mais c'est. Mais normalement, c'est les launchers qu'on a notamment nous deux, ce sont des launchers sur Java. C'est ce que Nécromancien m'avait dit. Je n'en sais rien, je ne suis pas codeur. Ouais, parce que je crois que j'ai... Parce que moi je peux pas voir avec quand j'ai lu Minecraft, parce que quand on voyait les logs avec les trucs de Java, je n'ai plus ça parce que mon PC, il est un... Bon, voilà, il est récent et très puissant. Donc je vois plus du tout, en fait. Ça passe directement à Minecraft. Pareil. Avant, je voyais les logs défiler. Non mais les logs moi je les vois donc jamais ça. Je vois plus ça donc de toute façon le launcher il s'éteint dès que le jeu se lance. Sauf quand ça crache. Ça après ça se remet forcément. Non moi il s'éteint déjà avant et après il lance le jeu directement. Allez-y rattaquer les gars, je vous dirai rien. Il va vraiment falloir des canons hein, par contre. Il va vraiment falloir des canons. Enfin faudrait peut-être des mortiers comme ça on peut leur casser la gueule autour. Alors pour le moment c'est pas trop le truc, les mortiers, mais on va essayer. En tout cas, bon, on lance un débat sur Minecraft, mais après, écoutez, c'est notre avis après, hein. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est notre avis. Et ça n'engage que nous, encore une fois. Ça n'engage personne d'autre que nous. Mais de toute façon, c'est clair que c'est de la merde. Alors voilà. Non après ça n'engage que nous encore une fois, hein. Faut complet de ce que vous pensez. Bon, dites-nous hein, dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en Minecraft, mais ça peut être intéressant, mais après ça laisse à discuter quoi. Moi personnellement j'ai mon avis et je l'assume complètement. Mais bon. Enfin, c'est peut-être pas de la merde, mais en tout cas c'est pas le truc le plus adapté à un jeu comme ça. Quoi. C'est clair. Je pense que tu seras d'accord, Damon. De quoi? Java, c'est pas adapté à un jeu comme ça. Ouais. Parce que... Les graphismes Minecraft sont pas extraordinaires, et pourtant, bah, ceux qui ont des PC de mode, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça ne marche pas. Ça baisse des FPS, ça tourne à 5 FPS, et puis bah, vous pouvez pas jouer. Alors que des jeux comme ça, bah, vous devriez le supporter largement, même si vous avez un PC qui a 40 ans, quoi. Je veux dire, à un moment, faut pas exagérer non plus. Mais bon, après, encore une fois, voilà, chacun ses avis, chacun ses saucisses. Voilà. Bon, on va peut-être attaquer le truc au lieu de discuter. Au moins, j'occupe l'assemblée, vous voyez. J'occupe l'assemblée pendant que je fais ça. Bon, on va préparer les mortiers, puis on va commencer à les attaquer, hein, on va pas s'énerver. On va avoir 4 mortiers, donc on détruit ça et ça. Je crois qu'on doit détruire le poste de commandement et le centre-ville, voilà. Bon, niveau armé, ça devrait passer, normalement. Sinon, on va se prendre une raclée déculottée. Mais ça devrait aller.
pense que ça va aller en cas. On va essayer, puis au pire si ça rate, et ben on rattaquera après. Je vous le dis. Mais en tout cas, bah j'attends une boss moi personnellement. C'est quelque chose que j'attends parce que le mode avec lequel on va jouer, bah je le connais, j'ai déjà joué avec. Mais j'avais joué en 1.5.2 pour ceux qui connaissent un peu la version Minecraft. Ce qui fait qu'il a bien changé et ce qui fait que bah on va s'en prendre la gueule. C'est officiel. Je pense qu'on va on va manger, je pense, hein. Nous sommes d'accord, je pense, Evan Flash. De quoi? Avec tous les monstres qu'il y a, je pense qu'on va manger sur une boss. Ouais, avec les trouver les boss, tout bordel, là, ça va être gros bordel. La saison 2 sera déjà sur sa chaîne parce que à la base c'est une série à lui, même si c'est moi qui lui avais. Enfin, pour anecdote, je crois bien que c'est moi qui t'a proposé là. Ouais. T'avais proposé de jouer avec des mods et tout. Ouais, avec les mods. Et ça date, ça fait plus d'un an. Clairement, ça date. Oh non, c'est si, ça fait plus d'un an. C'était avant que je me lance sur YouTube, donc si ça fait plus d'un an. Ouais, peut-être. Ah oui, Cédric, j'ai fait la vidéo, t'as vu. Ah oui, c'est vrai. Il est doué, cette année, il est doué. C'est con. Ouais, je dois faire ouais. Ouais, enfin, bah oui, parce qu'on discute. Enfin, avant, on se voyait encore, vu qu'on était. On étudiait dans le même établissement. Maintenant, lui est dans les Vosges et moi, je suis resté dans le coin. D'ailleurs, c'est mon premier jour de vacances aujourd'hui. De grandes vacances, hein, parce qu'à l'heure où je tourne. Et moi, depuis. Une semaine, lui ça fait deux semaines qu'il est là tranquille à m'attendre tous les soirs, il se branle, le mec se branle et moi je bosse, clairement c'est ça le truc en fait, c'est et voilà, mais enfin il bosse quand même, mais il bosse du chapeau quoi, alors que moi bah je bosse avec mes bras. D'ailleurs attention pour se muscler, hein. Ouais voilà, mais d'ailleurs faut que je raconte un truc. Alors encore une fois, c'est un débat et c'est mes avis. Je fais mes études en cuisine. Et ce que je trouve chiant, c'est qu'aujourd'hui, enfin moi non, c'est mon tuteur qui, enfin vu que j'étais en stage, c'est mon tuteur qui livrait, mais qui avait les réinscriptions aujourd'hui. Et quand même, faut pas exagérer les gens qui se mettent au soleil alors que le bâtiment a un côté à l'ombre et les gens qui se mettent au soleil et puis après qu'on dise qu'il faut aller leur donner à boire avec des cruches et des verres parce que ce qu'ils sont à deux doigts de faire des malaises, faut arrêter comme quoi. Il y a un truc à l'ombre, ils se mettent au soleil, c'est n'importe quoi aussi, il y a un temps, c'est une question de logique. Non. Ouais, non mais c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Il fait exactement 42 degrés, alors c'est vraiment 42 degrés. Alors des fois quand même je me demande s'il y en a qui sont un peu malins, parce que bon, tu vas pas te foutre à 42 degrés au soleil alors qu'il y a un passage à l'ombre. Voilà quoi. Bah c'est vrai, c'est même pas une question d'être con ou pas, c'est une question de logique. C'est vrai ou pas? Voilà. Ouais. Bon, c'est l'épisode de mon blabla, attends, voilà. Voilà, en tout cas, je crois que nous avons gagné. Les Turcs sont en déroute. On a gagné. Vous voyez qu'avec les mortiers, ça passe tranquille. C'était l'épisode blabla. Ça fait du mal de blablater en même temps, vous voyez. C'est le parfait exemple du dual commentary. Parce que des fois, c'est vrai que... Alors, c'est notamment sur du Zelda où on parle pas beaucoup... Enfin, on discute de temps en temps, mais on fait pas des grosses discussions comme ça. Moi, je trouve ça bien. Non. Alors, après avoir vaincu les Ottomans dans le nouveau monde, Morgan et ses hommes pénètrent dans la jungle à la recherche du lac de la Lune. Uniquement connu des Aztèques, mais ils se heurtent à un nouveau ennemi. À de nouveaux ennemis. Le cercle de Lucius. Cinématique, du coup. La cité aztèque est au nord. Les Espagnols. Évidemment, ce sont les conquistadors espagnols. Les Aztèques, peut-être nous indiqueront-ils l'emplacement du lac de la Lune. Et les Turcs? Vaincus. On a tué le gros des survivants dans la jungle, et les Espagnols ont capturé les autres. Maudit. Comment Maudit. Bah, comme tu l'écris toujours, M-O-D-D-E-R. Ouais. 2D. Le blanc le plus pur. M-O-D-D. Bah, je crois.
sur les murs des grottes de Malte. C'est pas, D-E-L. Oui, c'est possible. Ce monde recèle de nombreux dangers. De D, alors je cet animal indique-t-il que le cercle dessus et se si trouve je parle dans la cinématique, c'est absolument magnifique. Au pire, vous avez les... Et nous devons trouver le lac de la Lune avant le cercle. Non, mais de toute façon, préparons-nous. Je ne savais pas. La cité aztèque est au cœur de la jungle. Il va falloir la traverser. T'as fini ton montage, en fait? Bah là, je vais faire le rendu, je mets juste un titre, en fait. Non, parce que moi, j'ai fini, on va pouvoir reprendre ce qu'on faisait. Oui, bah ça a l'air d'être avec 2D, t'as peut-être raison, parce que je vois... Ah, par contre, ça m'a lancé la mission suivante, donc on ne va pas spoiler, on va abandonner, on va faire un minute normal, voilà. Donc la prochaine fois, nous ferons le temple des Aztèques. Comme vous voyez, nous sommes à la moitié de cette campagne. Merci à vous d'avoir regardé, salut à tous, et à la prochaine. Salut à tous.